Hello tout le monde, on vous a encore réservé une petite sélection de Noël. Si vous n'avez toujours pas trouvé de cadeau, on vous a fait deux autres vidéos. Et sinon... Eh ben sinon, y en a encore pas mal, Mélinda. Il y a des accessoires pour tout le monde, pour l'iPhone, pour le Mac, pour l'iPad. Voilà, des consoles de jeux, enfin vraiment. Je pense qu'il y a quelques surprises aussi dans cette dernière petite vidéo. Didier, tu te rends compte que là-dedans, il y a un projecteur et une batterie? Ouais, c'est incroyable. Et ça, c'est PicoPix, non? Alors, c'est PicoPix, c'est donc Philips qui fait ça. Ça s'appelle un picoprojecteur, donc ça existe déjà depuis quelques temps. Mais maintenant, ça commence à s'affiner, ce genre de produit. Il y a beaucoup d'électronique dedans. Là, par exemple, il y a les haut-parleurs intégrés, la batterie intégrée. Tu peux regarder un film de 2 heures, là, sans fil, comme ça. Donc c'est pas mal. Il y a beaucoup de connectiques, donc évidemment le HDMI, la sortie casque, de l'USB. Et tu peux aussi envoyer du AirPlay depuis ton iPhone ou avec un Android aussi. Donc ça voilà, on l'a testé ou on va le tester, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Donc n'hésitez pas si vous voulez attendre évidemment le test complet. Mais en tout cas, c'est un beau produit. Alors la définition réelle, c'est du 540p, donc c'est, voilà, on est plutôt autour du DVD, même si vous mettez 1080 sur la boîte. Donc, mais voilà, vu l'usage, vu le côté vraiment extrêmement mobile de ce produit, et vu le prix surtout, puisque ça coûte... 269€. Donc voilà, c'est pas tant que ça, moi je trouve, par rapport à tout ce qu'il y a là-dedans. Donc voilà, PicoPix. Du coup, Didier, c'est le vrai AirPower? Alors, presque, j'aurais bien aimé, mais bon, comme ils l'ont annulé, ça peut pas être le vrai. Non, c'est une copie chinoise que, d'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo il y a 6 mois, n'hésitez pas à aller la voir. Et surtout, je vous en parle parce qu'elle marche toujours, et que bah, j'en ai acheté plein, j'en ai mis à la maison, j'en ai mis au bureau, j'en ai mis dans mon sac de voyage, parce que c'est très très fin. Et ça charge donc l'iPhone, les AirPods, et puis l'Apple Watch, hein, c'est un des rares à charger comme ça, l'Apple Watch. Alors évidemment, il n'y a pas 50 bobines, donc il faut bien les placer aux bons endroits. Mais voilà, assez étonnant. Et surtout, ça coûte pas cher, Belly. Bah, il coûte 30€. Voilà. Des AirPower, on aurait pu s'en payer à ce prix-là. Donc même s'il y en a qui pètent, là, franchement, il n'y en a aucun qui a chauffé ou qui a eu des problèmes. La finition a l'air vraiment pas trop mal. Bon, Didier, lui, on l'a testé en long, en large, on a fait des vidéos, des stories, c'est l'Osmo Mobile 3. Ouais, super produit encore de DJI hein, qui voilà, réinvente la roue. Voilà, tu vois, on peut maintenant mettre des micros externes assez facilement puisque voilà, tu l'attaches de manière centrale comme ça. Surtout, il est hyper compact. Ouais. Je te laisse le plier sans très, le casser. Très, très compact. Voilà, donc vous pouvez le mettre dans le sac. Il y a plein de petites fonctions sur l'application aussi pour faire des stories, pour se filmer tout seul aussi. Et surtout, il est pas cher. Bah oui, parce qu'il est seulement 109€. Voilà, un petit peu plus cher si tu veux le pied, la housse de transport et tout. Ce que je vous conseille quand même parce que c'est assez pratique. Mais effectivement, cette nouvelle version est vraiment vraiment pas mal et elle a surtout une super autonomie. 16 heures d'autonomie, c'est pas rien. Donc toute la journée, vous pouvez filmer avec ça. Donc Osmo Mobile 3, 109€, allez voir notre petite vidéo. Didier, tu te souviens de ce chargeur sans fil de Belkin? Il coûtait quand même assez cher, mais il est de retour beaucoup moins cher, non? Oui, c'est ça, c'était le Boost Up, il coûtait à peu près 80-90€. Et là, ils ont fait une version donc beaucoup moins chère, un peu plus stock, un peu plus plastique comme ça. Mais elle est aussi USB, donc vous pouvez la brancher plus facilement sur un dock, etc. Elle charge toujours à 7W et demi, elle est toujours certifiée par Apple. Donc voilà, là, il n'y a pas de problème, vous avez la charge la plus rapide en sans fil. Et donc son prix, Mélinda? Il est à 39€, donc un prix très abordable pour un cadeau. Oui, je trouve, voilà, il faut quand même un iPhone qui charge sans fil, donc un iPhone récent, ouais. 8, 10 minimum. Bon Didier, dans cette sélection de Noël, on était quand même obligé de parler des AirPods Pro, et surtout en plus avec cette nouvelle fonctionnalité, l'annulation de bruit. Ouais, ça c'est assez inédit, hein, sur ce petit form factor, là tu te rends compte, il y a des petits micros voilà, qui vont capter le son extérieur, qui vont vous faire un contre-bruit. Donc, voilà, on vous a fait une grosse vidéo hein, sur les AirPods Pro, on vous a fait aussi un test très complet, on les a comparés au Sony XM3, donc les concurrents directs, quasiment les seuls, hein, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, sur le marché, ceux-là sont vraiment très bien intégrés à l'écosystème Apple. En plus, ils résistent à la transpiration. Voilà, ils ont quand même quelques petites fonctionnalités inédites. C'est des intras hein, pour ceux qui voulaient un son un peu meilleur que les AirPods classiques. Ils ont aussi un mode transparence, voilà, pour quand vous êtes dans la rue, entendre bien les bruits environnants. Donc c'est quand même assez cher, Belinda. On est quand même autour des 279€. Voilà, sachant qu'il y a des petites réductions quand même de temps en temps, mais c'est le prix un peu de l'exclusivité, de l'intégration, effectivement. Et je précise quand même, pour tous ceux qui nous regardent depuis un Android, que ça, vous pouvez l'acheter et le faire fonctionner sur Android. Il y aura des petites fonctions en moins, un petit peu plus compliquées, des fois vous n'aurez pas Siri par exemple, mais ça fonctionnera quand même plutôt bien. Bon, Belinda, même si je sais qu'il fait un peu chaud dans le bureau, là, tu n'auras jamais froid avec ces nouveaux gants de Mujo. Alors Mujo, c'était les premiers à faire des gants tactiles pour l'iPhone. Alors ils ont plein de versions, on vous en a déjà présenté. Là, ils ont sorti des versions, mais pôle Nord, quoi, vraiment avec triple couche, quadruple couche. Donc ils sont assez épais quand même, oui, mais par contre ils tiennent extrêmement chaud. Nous on les a testés dehors, là en ce moment il fait des températures quasiment négatives. Et vraiment très très efficace, ils ont même des petits grips là pour pas que tu lâches ton téléphone. Par contre, toi t'as testé, c'est quand même un petit peu galère. Hein. Un petit peu galère quand même pour utiliser le clavier, mais après pour faire des grandes choses, tourner des pages ou savoir où on est, surtout quand on est livreur, je trouve que c'est parfait. Et les prix sont très accessibles, ils sont entre 30€ et 50€. Voilà, donc pas très cher et franchement la qualité, moi j'en utilise là certains depuis plus d'une année et ils bougent pas. Donc vraiment Mujo, de la super cam pour un prix tout à fait correct. Didier, j'ai vu sur la feuille RhinoShield, le sponsor numéro 1 des youtubeurs, plus personne n'est objectif. Tu veux nous dire quoi?
que c'est de la merde. Non, c'est pas vrai. Alors, c'est pas de la merde, mais c'est vrai que nous, on peut être un peu objectif. Moi, c'est pas une coque que j'utilise tous les jours. Hein. Moi, je préfère les coques en cuir d'Apple qui sont beaucoup plus fines, parce que ça, je trouve ça un peu grossier. Tu vois, même ici, là, pour les caler sur un dock, puis dans la poche, ça fait quand même des gros produits. Pour moi, c'est des coques qui sont vraiment faites. Si tu fais beaucoup de sport, si tu fais des activités un petit peu physiques, que t'as vraiment peur de le faire tomber tout le temps. Donc là, oui, ça marche. Mais par contre, si tu dois la changer souvent, eh ben, moi, je la trouve assez galère à mettre et surtout à enlever. Là, on a fait des petits tests avec Marina pour vous faire des jolis plans. Bah, franchement, on a failli faire voler le téléphone au moins 3 fois. Donc voilà, ils proposent pas mal de choses, des protections d'écran, des protections aussi pour Apple Watch, de la personnalisation avec la couleur des boutons. Ça coûte pas très cher, entre 20 et 40 euros. Donc voilà, plutôt un bon rapport qualité-prix. Mais après, c'est vrai que moi, je l'utiliserai pas non plus tous les jours. Bon, Belinda, moi, je vous les mets tout le temps dans les sélections de Noël, hein, ces petites coques du français Noël. Franchement, c'est pas magnifique de recevoir ça? Non, franchement, elles sont vraiment pas mal. Elles viennent de Saint-Tropez. Franchement, moi, j'adore. Franchement, tu vois la qualité de la coque et les finitions. Ouais, c'est assez fabuleux, c'est vraiment du luxe, hein. On est vraiment sur des tarifs hein, entre 100 et 150 euros, voire 200 euros suivant les modèles que vous prenez. C'est tout moussé, c'est bien assemblé, voilà, vous regardez un petit peu les coutures et tout, c'est vraiment très 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 beau. Il y a plein de sortes de cuir différents, voilà, si vous aimez plutôt le classique, plutôt un petit peu le croco, voilà, ils ont vraiment beaucoup de choix. Et puis en ce moment d'ailleurs, vous pouvez mettre votre nom, enfin ou le nom de la personne à qui vous offrez ça, donc au moment de la commande. Donc voilà, c'est nos rêves, c'est français, et franchement, nous on adore. On adore. Et voilà, on arrive au terme de cette petite sélection de Noël. N'oubliez pas que tous les liens de produits sont en description. N'oubliez pas de liker, commenter et partager et d'activer la petite cloche. Et oui, et téléchargez aussi nos applications mobiles, hein, puisque Mac Forever, c'est des bons plans toute l'année. Et puis bien sûr, bah, Belinda, on nous suit sur les réseaux sociaux. Et puis on se retrouve donc bientôt ici. Bye. Ciao, ciao. I was the same for my soul.